Chers concitoyens, chères concitoyennes, au seuil de notre prochaine révolution, moi-même Amos Dubois-Ran, brigadier révolutionnaire classique, moi interpellé par un sentiment d'appartenance, un sentiment du patriotisme, pour me dire ça, moi pral dit nous là. Jean-Claude Duvalier, avant de mourir, lui dit nous, c'est pas ni euro, ni dollar qui a sauvé Haïti, seul la conscience nationale. Frère, seul, moment arrivé, pour ça qui dit au tête du valieriste Makoute, baille la main à ça qui relait la valasse opposition, à ça qui relait tête calée PHTK, et nous, chaque jour, crivé pays à ses bacs la fait. Au seuil de ce grand jour, que la jeunesse haïtienne attend depuis la nuit des temps, est-ce que nous acceptons nan jou kap vini la pou krasé brisé nan peyin, ti moun pa kal l'école, machon pa ka van, moun ap tombe kouvè nan vyann, pou nou aksepte bot la mè dominikèn rentre sou peyi sa? Ki sa Toussaint l'ouverture, Dessaline, Kapwa la mort, Pétion Boyé, Rigaud Braldino? Question politique pou rouge, pou jaune, tête siro, tête graine, moun en haut, moun en bas, nous elle pas côté résultat. Concitoyens, concitoyennes haïtiens, moment arrivé pour nous faire une tête collée, une chita palais, pour nous mettre tout contentieux dans le panier et pour nous capables de laver la salle. Nous, c'est haïtiens, c'est nous qui t'ai fait la butte charrier, c'est nous qui t'ai fait bois caïman, c'est nous qui t'ai fait le congrès de la caillet et c'est nous qui t'ai fait la guerre de l'indépendance. Où sont passés les efforts de nos héros? Je m'adresse personnellement au président de la République. Vous êtes le président, notre président, mais quand sont en trois loups? Question, diwa bat l'estomac ou? Songez bien, le jeu démocratique, nous m'a défaut qu'il respecter. Mais soyez intelligents, monsieur le président, pour capable prendre responsabilité. Vous êtes à la tête de ce pays, de l'État. À vous de prendre garde. Je m'adresse à l'opposition politique de mon pays. Depuis la nuit des temps, c'est vous y aller. C'est coup d'État, c'est transition. Mais pas jamais de solution. Pour qui ça? Parce que le problème a été mal posé. Je dis à moi, invitez-nous pour nous faire un dépassement de soi, pour nous accepter sans rancune, sans vengeance politique, sans orgueil. Et comme ça, l'histoire va témoigner, et les générations futures témoigneront en votre faveur, qu'il était une fois, vous avez tenté de sauver le pays. Jeunesse de mon pays, à vous. Sachez que vous n'avez pas de leader, vous n'avez que des vedettes politiques. Prenez garde, soyez le gardien de la République. En protéger ça qui mérite protéger. Tuer, craser, briser. Pas côté succès dans l'économie, non. Économie nous rabaissée, chaque la pluie tombée, c'est ras de marée. Côté, auparavant, nous t'écoutons, elle prend plaisir, de luxe, de loisir. Je dis à l'aide de Matissab descendre, maman petite Marie-Jean. Vous autres haïtiens, la société haïtienne, cessez d'être complices. Faites en dévoile la majorité silencieuse. Faites en dévoile, pas croiser main, parce que silence va rendre nos complices et coupables. La communauté internationale, donnez-nous la chance de choisir, donnez-nous la chance de dialoguer entre nous, sans pression, sans intimidation. Bout de bois dominicain, pas rentrer dans le pays des Salines. Et moi-même, Amos Dubois-Ran, comme brigadier, n'a pas le passé en action. Si classe politique nous, si chef l'État, si l'État pays nous, t'as quitté ça qui est fait, et m'inviter tout le monde, tout le brigadier, pour nous passer en action à la défense de notre territoire. Tel a été mon message. Merci de m'avoir écouté avec fidélité et sincérité. Amos Dubois-Ran, brigadier révolutionnaire, le rassembleur. Merci.